On sait maintenant qu'ils reviendront tous, et que pour tous, comme pour ceux qui arrivent, il y aura cette heure inoubliable de la vie qui recommence. La vie avec ce qu'elle a de plus banal et de plus pathétique, un visage et un cœur. Marthe Richard, un destin de femme. Aviatrice, espionne pendant la Première Guerre mondiale, prostituée de luxe puis députée, elle s'acharne contre les maisons dites de tolérance. Le 13 avril 1946, la loi Marthe Richard signe l'arrêt de mort des maisons closes sur le perron desquelles attendaient les dames. Sortant de la voiture cellulaire qui l'amenait de la santé, l'ex-général Jouot qu'attendait au terme de 3 journées de dramatiques péripéties, la condamnation à mort.